Anzouman Sissoko, 49 ans, est malien. Ça fait plus de 20 ans qu'il travaille régulièrement en France. Aujourd'hui, il est agent d'entretien pour la ville de Paris, employé au marché des Enfants Rouges, un marché historique de la capitale. Le portail doit être ouvert à l'heure précise, tout doit être propre, un métier qui lui plaît, lui qui a obtenu ses papiers il y a 6 ans seulement. Une vie de petit boulot que les autres ne veulent souvent pas faire. Ici, il travaille pour des sous-traitants car il ne peut pas, en tant qu'étranger, postuler à ce poste sur concours réservé aux citoyens français. Si aujourd'hui Anzouman Sissoko se sent quand même bien intégré économiquement dans sa ville, il lui manque une intégration plus politique, celle-là. Il voudrait voter et pouvoir se présenter aux élections municipales. Il ne le peut pas, il n'est pas français. On n'a pas besoin de français, d'être français pour voter. Pourquoi on a besoin d'être français? Quand on paye les taxes et les impôts, on participe à la vie. Moi, je nettoie le marché des Enfants Rouges depuis 12 ans. Est-ce que je suis français pour faire ça? Dans le 18e arrondissement, certains candidats étaient encore en culotte courte quand je payais déjà des impôts, aime à dire Anzouman Sissoko. Pour forcer le destin, il devient le maire officieux des 100 voix. Il a décidé, lui et des amis, de mettre sur pied une liste qui rassemble des citoyens français et des étrangers extra-communautaires. Il revendique le droit de participer à la vie de leur cité et rappelle les promesses non tenues sur le droit de vote des étrangers. C'est important de voter, c'est important de choisir ceux et celles qui doivent nous représenter. C'est important aussi pourquoi ne pas se proposer pour gérer sa commune. Donc nous exclure de ce droit de vote, de cette participation politique, pour nous c'est une porte qui est importante et qui est fermée aux migrants. Leur liste a été sans surprise invalidée par la préfecture car elle comporte des étrangers extra-communautaires. Mais ils veulent marquer le coup, c'est symbolique. Waïd Sdiri est tunisien, il fait partie de la liste. Il est arrivé en France il y a 5 ans. Aujourd'hui, il ne comprend pas pourquoi on n'accorde pas le droit de vote aux étrangers, eu égard au sang versé pour la France par son grand-père. Mon grand-père, c'est un soldat français. Grâce à lui, il est libéré de la France. Aujourd'hui, tu trouves son petit-fils, par exemple, il est derrière, quoi. Il ne peut pas même avancer. Il ne peut pas même poser un dossier pour la nationalité. Milou Tribi est fleuriste. Il en est convaincu, ne pas pouvoir voter, c'est rester à la marge. Si le socialisme n'a pas un droit aujourd'hui, les immigrés en France, ils sont comme un match de football. Il y a des Français qui jouent et les immigrés, ils sont sur la touche et regardent ce match-là. Sur la liste des 100 voix, on trouve des Tunisiens, des Chiliens, des Roms ou des Turcs, des Français aussi, comme Denis. À ceux qui disent que le droit de vote des étrangers, c'est un doux rêve, il répond. C'est sans doute les mêmes qui disaient qu'il n'y aurait jamais le droit de vote pour les femmes. Il a fallu que des femmes se battent pour ça. D'ailleurs, dans le 18e arrondissement, notamment, elles avaient présenté une liste dans les années 30 sur les mêmes principes que ce qu'on est en train de faire sur le 18e aujourd'hui. Les droits, ça s'arrache. C'est ceux et celles qui sont concernés qui réussissent à les obtenir. Ça s'est toujours passé comme ça dans l'histoire et ça se passera comme ça et on gagnera. Dimanche, la consigne est claire. Il demande aux citoyens français de glisser un bulletin pour la liste des 100 voix dans les urnes. Et pour ceux qui ne peuvent pas voter, des urnes seront installées symboliquement près des stations de métro. Il se donne surtout rendez-vous en 2017 pour élire un président qui ne trahit pas ses promesses et leur donne enfin la voix. Voilà.